Bonjour Ami Taureau, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Petite nouveauté, si vous voulez tenter de gagner une séance pardon, gratuite avec moi par appel visio d'environ 45 minutes, eh bien vous pouvez pour participer donc au concours vous abonner, mettre un j'aime sur la vidéo et m'écrire le mot concours en commentaire en majuscule si possible, comme ça je saurai que vous participez. Le tirage au sort aura lieu à la fin de chaque mois et le nom du gagnant ou de la gagnante sera annoncé dans la partie communauté de ma chaîne à chaque début du mois suivant. Voilà, on ferme la parenthèse et puis je démarre tout de suite pour vous les taureaux. Donc on va commencer avec le tarot mantique. Donc ça, c'est pour voir l'énergie générale de votre mois. Si vous êtes débutant ou débutante, je vous le conseille. C'est pour apprendre les arcanes majeures et les as du tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Vous avez les liens dans le descriptif de ma vidéo pour les jeux. Tous les jeux qui sont utilisés, vous avez les liens. Si vous voulez les commander sur Amazon, vous avez juste à cliquer. Alors, ici, on a la papesse en énergie générale. Alors, au niveau spirituel, c'est très bon. Par contre, tout le reste un peu moyen, on nous dit. Patience et sagesse percent les mystères, les secrets, les choses cachées. Trop grande réserve ou discrétion, timidité, mais bonnes intuitions. La passivité entraîne des retards et de l'attente. Ah, peut-être oui, que vous êtes dans une énergie un peu passive et que du coup, il y a des retards dans certains projets ou peut-être qu'il y a des choses qui vous ont été cachées et ça va mettre du temps. Il faut avoir de la patience pour que ça vienne. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière pour les taureaux. Ouais, y a une recherche d'équilibre, notamment financière. Oui, avec le pendu, c'est sûr, on a des blocages. La reine de pentacle, tac, impératrice, page d'épée, ok. Je continue un petit peu avec l'oracle des miroirs. Bon, là, vous allez retrouver un équilibre matériel, une certaine sécurité. On a de la chance sur les blocages, donc je pense que ça va s'améliorer. Sur la reine de Pentacle, ah bah j'en ai eu deux, contrat hérédité, ok génial. Donc au niveau finance, bah, y a une situation plutôt stable là, à propos d'un contrat. L'hérédité, bon, ça peut être un héritage, un legs ou une grosse somme d'argent qui vous revient. Ou un bien immobilier aussi, hein, c'est possible. Alors on continue, l'impératrice, l'instabilité, oui, ok. La maison, il y a peut-être une instabilité émotionnelle, hein. Que vous avez du mal à gérer. Là, on a un nouveau départ. Peut-être on achète un bien immobilier, on déménage, ou alors quelque chose de nouveau qui commence dans le foyer, un nouveau projet. Une décision importante, j'ai l'impression, qui est prise à propos de quelque chose de nouveau. Je continue sur le miroir magnétique, le voyage. Ok. Peut-être aussi qu'un déplacement ou des démarches vont vous aider à retrouver un certain équilibre ou à stabiliser une situation. Ça peut être aussi tout simplement des vacances pour vous recentrer, hein, pour vous sentir mieux. Ici, la chance sur un rêve. Ok, bon, c'est très bien. Je crois que c'est la fin des blocages pour vous. C'est parfait. Instabilité sur l'argent. Ok. On avait une instabilité à propos de l'argent. Maison, sexualité. Ok, on prend une décision importante à la maison. À propos de la sexualité, très bien. La clairvoyance, oui, vous allez faire un voyage. Alors, soit qui va vous apporter une opportunité, ça va vous faire tilt, vous allez comprendre quelque chose. Ou alors, grâce à ce voyage, je ne sais pas, vous allez voir quelqu'un qui va vous dire une vérité ou quelque chose comme ça. On vous disait là qu'il y avait des choses cachées, hein. Chance, rêve et joie, ok. Un projet qui se réalise, un rêve peut-être. Sur l'hérédité, le bouclier, on a la protection, très bien. L'argent, les examens, ok. Peut-être des études aussi qui coûtent de l'argent. Peut-être vous êtes en formation ou quelque chose comme ça. Vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, c'est possible que la situation financière soit difficile à propos de ça. Sexualité, boomerang, ok. Donc là, il y a quelqu'un peut-être qui revient vers vous. On se réconcilie peut-être avec une personne sur l'oreiller. Ou alors la vie sexuelle qui reprend. On peut avoir une aventure, un flirt. Ou alors ça peut reprendre dans un couple également. Alors je continue un peu avec le petit Lenormand. Clairvoyance, ouf, ici on a de l'abondance, hein.
du bonheur, de la joie. Là, c'est un projet qui a mis du temps ou qui va être durable dans le temps. Ça peut être les deux, qui a mis du temps à se réaliser. Là, on a quelque chose de rapide à propos d'un contrat, d'une somme d'argent. Là, on nous dit que les résultats sont encore éloignés. Peut-être vous avez passé aussi des concours où il y a de l'argent à gagner, hein, peut-être, ou je ne sais pas. On dit que là, bon, ça va prendre encore du temps. Ici, on a des nouvelles ou un papier important qu'on reçoit à la maison. Alors, je continue un peu. Ok, ici, on va voir plus clair dans une situation. Oui, ouais. On a encore la lettre. Donc des nouvelles, une lettre. Mais ça, c'est quelque chose qui va vous rendre heureuse ou heureux. Ouh, le soleil. Bon, les finances, là, il y a une très, très bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais ouais, ça va être bien pour vous. Les nuages, bon, ok. Les études, un petit peu moins. Ici, on nous parle d'un homme. On a des nouvelles d'un homme ou le retour d'un homme dans votre vie. Ou peut-être une proposition, hein, amoureuse d'un homme. C'est pas forcément que vous allez accepter. Ensuite, on va compléter un peu avec le petit jeu de la voyante. Alors, on nous dit, pour vous la consultante, oui, c'est vous. Là, vous êtes aimante, fidèle, dévouée, vous protégez vos proches. Vous avez peut-être un mariage qui arrive pour vous. Peut-être quelqu'un que vous allez aider, quelqu'un pour des questions d'argent, ou que vous allez recevoir de l'aide. Ouais, peut-être que c'est une infirmière ou que vous êtes infirmière aussi. Ensuite, on a petite nouvelle, petite joie, oui. Alors, on peut annoncer un nouveau flirt, une naissance, une rencontre, quoi, hein, amoureuse, une nouvelle amitié, un cadeau ou argent à recevoir, ça c'est possible ici avec ça. De bonnes nouvelles de parents éloignés ou d'une personne militaire, réconciliation, une solution de problème en tout genre. Ici, on a triomphe rapide et complet. Si vous étiez en procès aussi ou en procédure de divorce ou vous attendiez des indemnités ou quelque chose comme ça, là on nous dit que ça va aller vite. Ou une promotion aussi, hein, ça peut être plein de choses. On nous dit qu'il y a un accroissement de fortune, un grand triomphe sur des soucis financiers ici. Alors ici sur l'instabilité, on nous parle d'un jeune homme plutôt brun. Peut-être qu'il y a des problèmes d'argent. C'est peut-être un collègue aussi ou quelqu'un qui a des soucis de santé là autour de vous. Et là, on a une proposition. C'est peut-être un homme aussi avec qui vous avez une aventure, qui vous propose une relation sérieuse, de s'installer avec lui ou de passer à un nouveau niveau d'engagement. Hein, c'est possible. Hein. Ouais. Bon, attention parce que ça nous dit que c'est une proposition, mais pas sincère. C'est-à-dire, c'est des promesses, mais elles ne seront peut-être pas tenues. Donc attention. Allez, on va terminer avec un message de votre ange gardien. Pour les taureaux. Oh ben on a eu deux cartes, je vais les lire. Alors, votre ange gardien vous dit, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ah oui. Je pense que c'est à propos de la proposition là. Écoutez bien votre petite voix. L'ange gardien vous dit encore les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Et puis je remercie également toutes les personnes qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. À bientôt!